Bonjour les amis, bienvenue sur Burly's Cuisine. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous allons voir une recette de poulet. Franchement, une recette super facile. Et comment dire ça? C'est des poulets frits, mais avec une touche indienne. Donc je vous explique tout ça étape par étape. Franchement, je vais vous dire un truc. Les enfants qui kiffent le KFC, tout ce qui va avec, vous allez voir. Vous allez kiffer le poulet de Murali, les amis. Alors je vous explique tout ça. Allez! Hop les amis, c'est parti pour les ingrédients. Là j'ai pris environ 1,2 kg de cuisses de poulet. Franchement, moi j'ai pris des cuisses de poulet lavées, nettoyées et sans la peau. Après, vous avez aussi la possibilité de prendre un poulet entier. Voilà, c'est mieux, la cuisse c'est mieux. Après, prévoir aussi suffisamment d'huile pour la friture. Prévoir environ une cuillère à café d'ail en poudre. Prévoir une cuillère à soupe de farine de blé, jus d'un demi-citron, là j'ai pris du sel pour le goût, là j'ai pris une cuillère à soupe de paprika ou du piment les amis, très peu de curcuma, un peu plus d'une cuillère à café de coriandre en poudre et la même chose en cumin en poudre. Allez, c'est parti pour la marinade. Donc là, je vais venir mettre dans un grand bol le cumin, la coriandre, tout ce qui était dans le petit bol là. Là, je vais mettre le piment, le sel, un peu de farine, voilà, comme ça. Et aussi l'ail en poudre. Hop, 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 comme ça, vous voyez. Environ une petite cuillère à café, voilà, comme ça. Tac, 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 tac. Oula, 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 oula. Voilà. Je vais venir mélanger l'ensemble tranquillement comme ça, vous voyez. Voilà, comme ça. Allez, c'est parti pour le jus de citron. Voilà, comme ça, vous voyez. Il y a du jus là, hein, les amis, regardez. Ouh là là. D'un demi-citron, mais franchement, les amis, le citron là, il y a du jus, hein, il y a du jus, les amis. Il y a du jus. Hop. Alors, on mélange bien l'ensemble. Hop, 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 hop. Je vais venir ajouter très peu d'eau. Voilà, comme ça. Franchement, les amis, n'hésitez pas à mettre à la main. Hein. Encore un peu. Voilà, comme ça. Voilà. Je mélange bien l'ensemble. Voilà. Voilà. Une fois qu'on aura bien mélangé l'ensemble, je vais prendre mes cuisses de poulet une par une. Puis je vais bien appliquer notre préparation sur les cuisses. Vous pouvez même faire des plaies au niveau des cuisses, les amis. Vous voyez, pour bien faire pénétrer. Vous voyez, là, j'ai fait des plaies, vous voyez. Donc, tac, tac, vous voyez, là, il y a des plaies. On va venir prendre un peu de préparation comme ça. Un peu partout, hop, hop, hop. Alors, on va faire ça sur toutes les cuisses, les amis. Après, comme je vous l'ai dit, vous avez tout à fait la possibilité de prendre un poulet entier en morceaux. Par contre, voilà, comme je vous l'ai dit au départ, les cuisses de poulet, franchement, au niveau du goût, il n'y a pas mieux. Allez, c'est parti. Hop, 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 hop. Hop, hop, hop. Dans un premier temps, je vais mettre toutes les cuisses, là, comme ça, une par une. Et puis après, je vais bien les masser une par une. Voilà, comme ça. Voilà, comme ça. Maintenant, une par une. Là, on fait bien pénétrer. Maintenant, les amis, direction le frigo dans un petit coin tranquille. Pour au moins 30 minutes, voire une nuit. Voilà, moi je pense que je vais laisser ça 2-3 heures. Hop là les amis, donc au bout de quelques heures, je fais chauffer suffisamment d'huile. Puis je vais venir chercher mes cuisses de poulet. Et hop, c'est parti. Voilà, tout en les espaçant bien sûr. Alors, est-ce qu'il y a de la place? Là, comme ça, et je vais mettre une petite troisième cuisse dans ce petit coin-là, tranquille, comme ça. Voilà. Voilà. C'est parti pour plusieurs minutes, tout en les retournant de temps en temps.
Moi, j'ai envie de vous dire 10 à 12 minutes en tout, tout en les retournant de temps en temps. Vous voyez, le niveau d'huile est bien au-dessus. Quand je dis bien au-dessus, légèrement au-dessus. Voilà, c'est ce qu'il nous faut. Hop, les amis. Donc, pendant la cuisson, je vais venir les retourner plusieurs fois, les amis, tout en surveillant, bien sûr. Voilà, comme ça. Là, ça fait à peu près 4 minutes. Je vais faire ça 2 à 3 fois, comme ça, pendant la cuisson, vous voyez. Voilà. Attention aux éclats d'huile, les amis. Allez, c'est parti. On va encore changer de côté pendant la cuisson. Là, ça doit faire environ 6 minutes. C'est même pas environ, ça doit faire 6 minutes, facile. Voilà. N'hésitez pas à faire ça 2 à 3 fois, les amis, voire même 4 fois. Hein, toutes les 3, voire 4 minutes. Les amis, là ça fait même un peu plus de 12 minutes. Vous voyez, c'est super bien doré, donc je vais venir les égoutter. Franchement, après, concernant le temps, la durée de cuisson, vous gérez. Hein. Un peu plus, un peu moins, franchement, c'est à vous de voir, vous voyez. La croûte et tout, là, vous voyez l'extérieur, bien croustillant et tout, vous voyez. Donc je les égoutte, je les sors. Oh là là, les amis, voilà le travail. Vous voyez bien les cuisses de poulet, là, bien croustillantes. Elles sont bien croustillantes, regardez-moi ça. Vous voyez, voilà pourquoi on a utilisé de la farine. Très peu de farine, mais c'est ça qui fait la différence, qui donne le côté croustillant, les amis. Oh là 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 là. Eh oui, les amis. Les amis, regardez-moi ça. Venez voir ça de près, les amis. Lalalala. Hop. Franchement, avec des frites ou une baguette. Ou avec ce que vous voulez. Hein. Franchement, voilà, c'est du poulet frit. C'est genre poulet rôti, mais il y a le côté croustillant. Oh là là, la croûte, je vais vous faire... Je vais vous montrer si vous arrivez à... Je sais pas. Je vais essayer de croquer sur la croûte. Vous allez voir si vous sentez... Comment dire, le côté croquant. Allez, super bien cuit. Je sors le côté croquant. C'est l'effet de la farine qui donne le côté, pardon, croustillant. Alors, franchement, les amis. Oh, c'est chaud! Vous voyez le poulet comment il est bien cuit? Trop bon, les amis, trop bon. Donc, si vous avez kiffé la recette, un petit pouce bleu vers le haut, partagez, surtout abonnez-vous à ma chaîne. Merci, à bientôt, ciao!